President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farooq Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother! George, good to see you up and about. How you feeling? Never better, nah? No pain, no more for star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Me been here you go while I got them scone in the base! Why the rasa you not take me with you, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. That's all I needed to hear. Now! It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. Yeah, just remember that. Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, it's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, hold that thought. Fuck you, asshole! I will patrol ahead. Military Cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Guess you better arrest me then. AT-3-104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Donc salut à tous, ici Wizou, nous voici en pleine action pour un nouvel épisode de Metal Gear Rising. Donc les flics sont des cyborgs aussi, on doit aller dans la base de Marshall et foutre un peu la merde quand nous sommes un hors la loi. Donc normalement on fait un petit carton. Allez. Faut un peu gros. Pour l'instant c'est facile, les flics quoi. Faire ça, merci. Donc là nous avons une énergie de 120%, ce qui est cool.
Hop, allez. Ah là 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 là. Ah, t'es pas mort. Attends, non, t'es mort. Hop, on enchaîne les combats. Oula. Pourquoi t'as là? Non, non, mais c'est pour pied. Oula. Allez, hop. Voilà. Juste pour moi j'en ai un peu hein. Parce que j'ai quand même pris les dégâts, je suis même pas fier. Attends, je viens de là-bas donc je devrais aller là-bas. Si je pouvais passer s'il vous plaît. Ça serait cool. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. Ok, on suit. Enfin je suis plutôt d'accord moi. Ah bah tiens. Là, tiens. Les emballeurs en deux. Tiens, c'est pas génial. Déjà que je viens de galérer avec un. Bon. Ouais. Ils sont peut-être moins puissants en fait. Ouais, je crois qu'ils sont un peu moins résistants quand même. Enfin moins puissants, ils font moins mal. Mais non, j'appuie sur X. Mais non. Merde, je peux pas aller là-bas. Je vais en chier, je le sens bien. Voilà. Apparemment, si je compte, je peux niquer le pied. Ce qui est pas mal. Ah, je me suis mal pris. C'est bon. Deuxième partie du client, on va niquer. Allez. Voilà, c'est bon, je pourrais l'achever. Hop. Ah, on peut récupérer les cœurs de ceux-là. C'est bien. Ouais, ils sont largement moins résistants que d'autres robots. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais je les déteste quand même. Hop, on va couper ça. Tant que je peux. Hop. Je crois que c'est bon. Ah non. Ah, deuxième outil, il était pas coupé. Ah bah tiens, on va être comme ça direct. Pourquoi pas. Hop, comme ça. On passe. Ah, chose un peu intéressante. L'électrolyte, voilà. C'est bon, je l'ai récupéré. Donc, il m'a dit d'aller là-bas. Les petits souhaits qui sont pointés, le temps qu'ils se pointent aussi. Je suis déjà parti. Qu'est-ce que tu m'appelles encore? Ils ont trashé mon car. Je vais devoir aller le reste du chemin en foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Hmm. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. Say you get all the brains back. Then what? Just so happens I know one great cybernetic surgeon. Doctor, but he cannot... You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city.
They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those Mudaki are doing any more than you. Спасибо, товарищ. Спасибо. Ok. Donc il va nous aider. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait une femme et un fils, Raiden. Oh, des geckos. Vous m'avez manqué. Ok, je vais contrôler en l'air. Ah putain, alors, chaque fois je meurs pour contrôler. Hop. Alors que j'arrive à contrer. Bon, écoutez, et... voilà. Ça, comme ça, je pourrais le dégainer facilement. Voilà. Tiens. Prends une chaîne, petit gros. Oh. Petit esquive. Aïe. Ouais, enfin, je me la ferme en fait. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Heureusement qu'il y a des petits robots pour attraper les animaux à venir. Ah putain, j'aurais pu appuyer sur B, je suis dégoûté. Attends, c'est là, je peux rien faire. Je me fais mal. Putain, j'ai appuyé sur B. Oh, attends. Hop là, voilà, l'électroïde, c'est bon. On l'a attrapé, on est tranquille. Enfin, on est tranquille. Attends, il y a encore l'autre. Voilà. Ah, c'est toujours stylé comment il tue les geckos. Ah là là. Oublié. Bon, ah, les petits robots, on va vous finir. En fait, je crois qu'avec cette arme là, c'est la meilleure façon pour faire des putains combos. Et tout ce qui part, mais oui. Alors je viens d'où là? Remets-moi la carte s'il te plaît. Bon, faut que j'aille à ce combat. Oui, je viens. Ah. D'accord, c'est là-bas. Ah, c'est bas ici. Eh, 26 coups sur un soldat. Alors imaginez sur les autres. Oui, tu m'as vu. C'est beau. Oh putain, ouais, c'est... Attends, je vais me faire... Ok, plein gueule. Bon, allez, hop. Allez, on va faire un beau combo quand même. Je le sens bien le combo, je le sens bien. Oh mais non, je vais récupérer l'électrolyte, merde. C'est nul. Oui, je vais monter. On va partir. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world martial security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data. The research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Oui, évidemment. Mais alors, on va continuer. À tout nous. Ce qui est équivalent à quelle. Enfin. Avec un carton en bois. Un carton. Au carton en fait, ouais. Putain, pourquoi j'ai du carton en bois, je suis fou. Il faut que je me fasse soigner, moi. Ah oui, alors les petits tout coulants.
Bon, ça va être facile. Ça change de niveau d'avant, parce que le niveau d'avant, qu'est-ce que c'était casse-gueule des ennemis. Bon, allez. Toi, tu m'énerves. Voilà, t'es fidèle. Ça me casse plus les couilles. Voilà, j'ai coupé une fois, pouf, électrolyte. Bon, c'est beau tout ça, mais il faut aller là-bas. Oh, je crois que j'allais tomber. Ouais, ok, c'est bon. Allez-y, monte, et hop là. Ah, c'est efficace, oh là. Ah oui. J'ai oublié ça. Alors niveau robot, je vous ai dit ce que je déteste le plus. Alors niveau soldat comme ça, c'est cela que je déteste le plus aussi. Et... merde. En plus, il y a des trucs volants qui veulent me faire chier. Là. Casser les couilles. Tiens, tu descends. Toi aussi, tu vas descendre. Voilà. J'ai dit de descendre. Oh. Non. Ah bah c'est sûr, si je fais des combos avec Y, je suis pas prêt de le contrer. Aïe 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 aïe. Quoi? Non. Vous êtes sérieux? Attendez, laissez-moi m'échauffer avec un seul. Ok. Ouais. D'accord, normal, vas-y. En charpie. Ah, non, je vais l'avoir. Non, non, skip, non, c'est bon, c'est bon. Allez, allez, allez. C'est bon, je les ai, je les ai. Oh putain, je peux pas. Récupérer les règles, putain, j'en ai eu un. Hein. Ah putain, stop, je peux te récupérer, voilà. Ça va. Je les déteste, mais j'avais des souvenirs plus chiants d'eux. Bon, oui, s'il vous plaît. Voilà, je vais monter. Enlevez-moi cette putain de barrière de merde. Faudrait monter. Attends, il y a un truc derrière. Un truc de soin. Putain, j'ai failli le rater. Oh là là. C'est bon, c'est un point rouge, ça. Ah oui, c'est un ennemi. Bon, hé, je suis... Vas-y, oui, voilà. Good, Raiden, very good. Ok, le mec il parle comme ça pour rien. Oh putain, encore des ennemis. Et hop, on va pas se faire chier. Les ennemis de base, donc ça va. Peut-être avec des trucs blancs. Pas trop, enfin bref. On va se le faire tranquille. Ah si, il y en a là. Hop. Pourquoi t'es pas descendu à part? Vas-y, je vais descendre, voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est facile ce niveau-là. Je m'ennuie presque. Ok, ok. Voilà comment tailler une pièce. Bon. Comment voilà comment descendre un ascenseur. Et c'est plus pratique que la commande descendre. This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago.
Oui, c'est normal qu'il fasse noir. Parce qu'il fait sombre. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. Effectivement, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Hop, le problème c'est avec ça, c'est dès que t'attaques, et bah ça t'enlève le truc. Et tu l'as dans le cul. Même quand tu cours. Je crois qu'il y a des ennemis ici, j'ai un doute. Oh puis merde, on s'en fout. Ah bah ouais, si, ah bah si. Et en plus c'est les gorilles, c'est ceux que j'adore. Hop là. Et un moins. Ah bah tiens, tu m'as vu. Là c'est bizarre, on voit mieux. Ça. J'ai mon bâton. Oh là, lâche-toi. Non. Oui, voilà. Je vais pas faire ça. Moi. Mais non. Enfin, d'un côté, j'appuie sur Y aussi. Hop. Voilà. Pourquoi je me fais plus chier. Ah bah si, il me fait chier encore. Oui, maintenant il connaît qu'une seule attaque. Mais non, il est parti où, le carré là, putain, l'arnaque. Ouais, c'est là-bas. Attends, il y a normalement un autre ennemi. Si je m'abuse. Et il est là. Vas-y, ramène ta fraise. Bah allez, vas-y, j'appuie sur B, enfin X. Vas-y, allez, régénère-toi, voilà, en plus refais-moi des dégâts. C'est bon, rentrez. Putain, je tue toujours lui. Voilà. C'est bon. Enfin, la paix. Donc c'est là-bas qu'il faut aller. Et il y a une petite boîte, dis-moi qu'il y a un bon petit truc. Et que là, non. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, ça aussi. Oh, bah tiens, je vais pouvoir m'en générer. Attends, attends, attends. Je vois même pas où je suis. Parce que je sais que je suis sur un train. Sinon, je vois rien. Que dalle, que chi. Et encore, oh putain, oui, évidemment. Voilà, tranquille, pop boulof. On l'a vu, tranquille. Bon, là. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, il y en a un autre. Est-ce qu'il y en a un deuxième autre? Apparemment, non. Ah, bah, il m'a vu. Ah, bah oui, d'à côté, les petits robots. Oh, ils étaient cachés. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je te jure, toi. Ah voilà. J'ai pris cher. Ah voilà, on n'avait jamais fait ce contre, je crois. Enfin, cette technique-là, cette prise. On va dire ça, une prise. Enfin, c'était mieux. Je crois qu'il faut aller largement aller là-bas. Ah, B. Mais non. Attends. Voilà, ouvre-moi cette petite. Je sais pas quoi. Je crois que je vois de la lumière. Oui, il y a bien de la lumière. Oui, logique, si on descend, faut monter. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Marshal Headquarters. Do not be distracted by the advertisements.
You are not here as a tourist. Sure. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose, and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I simply do not find them entertaining. Eh oui, Raiden ne sait pas ouvrir une porte. On la casse. Ah bah non, voilà droit. Oh bah tiens. Voilà ma meilleure copine. Bon. Si je fais ça, ça me détruit. Non, je fais juste descendre. Toi, je vais ton cœur, toi. Voilà. Je me suis fait un peu niquer l'énergie là, ça va pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Allez, on met les pieds. Hop. On va la voir. Maintenant, dès qu'on en touche loin, c'est bon, c'est facile. Même si je les déteste. Ah oui, je prends. En même temps. C'est quoi ce truc qui vient tout ça? Attends, bon, hop, ça oui apparemment on a plus de monde. Hop, mon bot. Qui me tire dessus? Quelque chose qui m'a tiré dessus. C'est une roquette. Oh là là, putain, pourquoi je l'ai pas retiré? Ça voilà, j'ai encore marqué. Voilà, c'est bon, voilà, je suis. Hop, 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 et voilà, maintenant on passe au suivant. Au cœur. Voilà, tiens, c'est bon. Je commence à m'habituer à choper plus vite les électroïdes. C'est toujours comme ça que ça s'appelle, ouais. Bah, on avance, hein. On continue. Si ça veut bien me laisser passer, je voudrais continuer le niveau. Enemy ahead, Raiden. Avoid fighting if you can. Ah merde, je viens de dire que pas c'est facile. Et bah non. C'est pas grave, toujours les petits combats, c'est sympa. Parce que c'est vrai que niveau discrétion, zéro. C'est à la base, c'est du méta guerre, infiltration. Infiltration en jeu là. Oh putain. Non. Occupe de toi avant. Bon. Alors toi. Ok. Ok. D'accord. J'ai cassé. Allez, ramène ta phrase. Vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Oh. Allez, vas-y, tu blagues. Ah c'est bon, c'est bon. Ah c'est le moment. Hop. J'ai des combos, vas-y continue, continue. Je l'ai. Coupe les bras. C'est bon, j'utilise ce marteau. Voilà, tranquille, peinard. Alors, par contre. Voilà. Endurance plus 1. Ah, on a récupéré de l'énergie encore là. 130%. Donc il y a une petite boîte comme ça, bonus aussi, qui permet de monter le pourcentage d'énergie. Ce qui est fort très sympathique, sympa. Bah oui. Comme je dis fuck, attention, on va pas s'arrêter avant. On peut juste courir. Ah mais du coup, le fait que j'ai récupéré le bonus, ça marche de rien en fait. C'est cool ça! Ouais, bon, c'est pas super puissant. Hein. Ah, voilà, maintenant il y a d'autres loups. C'est pas d'autres loups à nous, c'est d'autres loups. Excusez-moi. Je déteste tout ça. Ouais, son... ouais c'est facile à tuer ça. Quoi? Tu fais quoi là?
bah, ils ont des gros canons. Ça fait penser un peu bah, au loup qu'il y avait dans Metal Gear Solid 4. Un gros canon sniper, je sais pas quoi. Ouais, c'est genre. Voilà, et je passe mon tourner pour lead, que je me régénère un tout petit peu ma vie. Putain, barrière de l'air. Putain, là, on taille un arbre. Putain, une épée plus efficace qu'une hache pour couper du bois. Jetstream Sam. Sword is a means to an end, to protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now, maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually, they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. I've nearly saved enough to bring Mama to the States. Finish him off! Whatever it takes to be free of this torture. Stop it! Boom! Publier un peu ce qui se passe dans leur tête en vrai. C'est vrai que les machines sont les... tout peur au combat, tout stress, plein de trucs. Du coup, on est pas trop humain quoi. C'est le big problème, c'est des nanomachines. Bon, après, si vous voulez en savoir plus sur les nanomachines, hein. Allez jouer à Metal Gear Solid 4 si vous avez une PS3. Voilà, c'est tranquillou. Rancé ? Oh, je les ai dégommés. Oh là là, je suis Raiden, are you injured?
I thought they had a choice. A fair choice. Not like you. People are different. As opposed to AIs? You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No. It's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine. Altering the course of mankind is not among my defined directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on three previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead. You follow. Bon. Alors. On va continuer, on est bientôt quand même à... On est à 37 minutes. Ça passe vite quand même, les épisodes. Mais bon. Raiden, your current emotional state appears highly volatile. Ok. Je suis sûr que tu n'as pas intérêt à aborder la mission, mais je suggère d'éviter le combat pour le temps being. On peut faire que ça comme coup d'épée. Tiens. Voilà. Il va falloir esquiver tous les ennemis. En étant comme ça. Donc la preuve que l'infiltration, les mecs sont aveugles. Hein. Plus aveugles que ça, on peut pas. Enfin bon. On va continuer. Je n'ai fait que passer. Que... Ouais, j'ai quand même récupéré pas mal de points de compétences. Ah tiens, un petit truc pour ça, je n'ai. C'est bien. Ouais, donc le chemin est simple. Hein. Je passe comme ça. Tu sais, il y a une sorte de barrage, il fait qu'ils m'attendent. Mais non, je pas que je passe comme ça. Ouais. Ah, par contre, toi, je voudrais bien que tu partes. Voilà. Vas-y, caste, on va attendre. Hop, on va essayer de passer en mode discrétion. Voilà. Bonjour. Bon, ceux-là, on peut pas les esquiver, hein. C'est normal. Ah, on est obligé de les tuer comme ça. Oh, il fait quoi lui? Ok. Ah bah l'autre il tire sur son pote. Oh, c'est tellement gentil. Mais par contre j'arrive pas à contrer, c'est normal ça? Oh là, oh là. Oh oui, vous avez crevé là. Ok, oh, c'est bon. D'accord, là il y a Sam. C'est celui qui voit pas. How pleased you are to chop away, Jack the Ripper. My name is Monsoon. Of the winds of destruction. Yeah. I guessed as much. Mm-hmm.
feasting on the insides of your enemies? How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. Kill or be killed, Jack. Phnom Penh taught me that. Yes, you aren't the only one to grow up. War is a cruel parent, but an effective teacher. Its final lesson is carved deep in my psyche. This world and all its people are diseased. Free will is a myth. Religion is a joke. It's controlled by something greater. Means. The DNA of the soul. The shape. They are the culture. They are everything we pass on. Expose someone to anger long enough, they grow to hate. They become a carrier. Can't fight nature, Jack. Windows, rain falls, and the strong prey upon the weak. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives, a means of justice. Now there's a pretty mean. Exquisite. It spared you the burden of all the lives you take. Absolved you of guilt when you enjoyed it. That is, until the illusion was broken. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You have no choices to make, nothing to answer for. You can die with a clear conscience. You're right. About me, I mean. I knew something was off. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good. Really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you. All this is a wake-up call to what I really believe. What I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Kill her! Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. You do it. All right. Pain. This is why I fight. My normal, my nature.
take this dance. No, Sam. Report back to the chief. He's mine. You're the boss. I misjudged you. You are like us after all. Now you're just being nasty. That nickname you love so much. Wanna know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip! Bon, maintenant, il est flippant, Raiden, quand même. Putain. Donc, c'est vrai, nature. La nature qui a été. Peut-être qu'on est venu. Donc, là, par contre, là, combat de boss. Plus compliqué. Ah, oui, c'est vrai. Oh putain! Je vais y arriver, par contre, moi je voudrais changer un truc. Si je voudrais m'équiper de ma grenade. Vous allez voir pourquoi. Et je sais plus c'est quelle touche. Ah voilà. Merci! Voilà, c'est ça que je voulais. Vous allez voir pourquoi. Du coup, je me suis fait niquer au niveau de la vie. Ça va. Celui-là, il faut que je me rappelle comment bien le contrer. Normalement, il n'est pas très difficile à contrer, donc ça devrait aller. Du coup, je pense pas. Bon, je retire ce que je dis. Il est compliqué à contrer. Voilà. Bon, ça va, il perd vite sa vie. Ah, là, ça va poser problème. Il y a un mode, si je le découpe, bah, son corps se sépare. Sauf que là, ça va poser quelque chose de problème. Ah oui, alors je sais pas si vous avez vu, mais là on est dans une sorte de mode rage. C'est la barre bleue et rouge. Et quand on est en mode rage comme ça, ça signifie... Ouais, je me concentre. Ouais, donc ça signifie... Quoi qu'il se passe, on les découpe direct. Ah oui, alors, c'est vrai. Voilà. Et là, faut toucher sa tête. Merde, oh, c'est là. Voilà. Et ça, au début, en fait, je l'ai su que quand je commençais le mode très difficile, le jeu. Trop vraiment difficile. Bon, bref, voilà. Je crois que c'est en difficile que j'ai découvert cette technique. En fait, j'ai tout découvert la technique au dernier moment, quoi. L'intelligence. Si ça passe, qu'il fasse le combat. Hop. Comme ça. Tiens, en plus, on récupère l'énergie. Et... Oula. Oula. Ça, c'est bien. La première fois qu'on est nuit, on est content ces phases-là. Parce qu'on récupère plein de trous de soins, plein d'énergie. Enfin, alors, hop. On va viser ça. J'ai raté. Ouais. Ouais. Oui, oui. Et en fait, le mec a pas montré tout son corps. Voilà. D'accord, c'est bien la tête qu'il fallait viser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah putain, ça fait... Ah, c'est remis en mode...
Ah putain, on va y partir. Ouh. Ah oui, d'accord. Oui, on en rappelle. Ouais. D'accord, c'est... comme un yo-yo. Qui roule sur le sol. Enfin, vous voyez le genre. Oh là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est bon, t'as fini avec le yo-yo là ? Bah, avec le gamin, c'est bof quand même. Ah, le truc là. Ah putain, ah putain, plus une de son. Dommage, dommage. Putain, en plus, c'était le dernier coup. Vous avez esquivé ça. Ah, du tout, oui. Voilà, évidemment, putain. Eh, la grenade, je vais. La grenade on va arriver encore, encore. Peut-être que si je le compte. Voilà. Ah putain, raté. On recommence. Ah là là là, c'est ça que je déteste. Là j'ai plus de grenade. Vous voyez quand j'ai... la première fois j'ai galéré comme ça tout le long, sans grenade électromagnétique. C'était horrible. C'est par là. Putain, il est contre. Ah bah. Ça. Ça, il y a un moment donné. J'avais bien réussi à contrer tout ça. Juste contrer avec le joystick au bon endroit. Voilà. Putain. Non mais tiens. Attends, attends. Ouais, t'es là-bas. Ok, ok. Non, tu fais quoi? On va la voir, on va la voir, on va la voir, on va la voir. Ah putain, j'ai pas. Bon, ça va, il y a un seul truc de soin. C'est pas très très problématique encore. Ah oui, la musique toujours aussi géniale, hein, pas ça. Voilà. Ce serait peut-être plus facile à le verrouiller, effectivement. Ah, tu me fais quoi, tu me fais quoi, tu me fais quoi. Tu m'envoies des machines. Ah ouais. Allez, c'est bon, ça. Ils envoient vite ce coup-ci. Hop. Voilà. Encore ? Allez, vas-y. Plaisir. Encore, ouais. Bien. Ah, j'ai récupéré une grenade électromagnétique, c'est ça, c'est pas ça. Oh, je l'ai dû prendre. Aïe, 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 aïe. Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Il est un peu long le combat quand même. Je dirais c'est un combat de boss aussi, c'est normal que c'est un peu long. Oh putain. Vas-y, tortille moi. Oh, en plus c'est l'armée sans connerie à pouvoir à la con. Putain, j'ai pas pu. Ah! Oh, vas-y, il m'en fait le yo-yo. Oh, et en plus, évidemment, je me la prends en pleine gueule. Ouais, c'est quoi ces débris? Je me suis bouffé les débris. Quoi? Quoi qu'il me touche?
D'accord. Ah bah oui. Eh oui, il est juste toi. Juste ça, on esquive, on court. On découpe. Et il est fini. Et en combien de pièces on a transformé ce coup? 337 pièces. Bon, alors c'était plus que la tête qui a fait boing, boing, boum. Boum. C'était un combat un peu casse-couille. Don't be ashamed. It's only nature running its course. Your means end here. No, I passed one to you. Sure as the sun will rise, the slaughter will continue. D'accord, ok. Ça s'appelle le mode éventreur, qui équivaut au mode rage. Raiden? I'm fine, Kevin. Relax. I'll get the brains. I don't want this for anyone else. All right, man. Later. Bon, fin de chapitre, je pose, oui, voilà. Donc, on va s'arrêter ici, parce que c'est un long épisode qu'on a eu le droit. Donc, on a oublié plein de combats. Donc hop, je vais personnaliser un peu avec vous. Donc on a débloqué les nouvelles armes, le Sai, arme que je déteste, mais on va quand même l'utiliser, histoire de l'utiliser devant vous, pour voir ce que ça donne. Donc on va vite fait faire une petite personnalisation. Alors, arme principale, hop là, amélioration, on verra ça plus tard. Arme unique, voilà, on va l'acheter, et évidemment peut-être l'équipe. Si j'appuie sur la bonne touche, voilà. Donc, plus important comme d'habitude, la vie, toujours acheter la vie, toujours, toujours, toujours les piles, c'est très important. Et du coup, l'arme principale, je vais t'améliorer un peu, toujours à force. Est-ce que je peux mettre ça? Oui, hop, et on va s'arrêter là parce que je n'ai plus. Donc alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Rizzo Suisse si vous aimez ce que je fais, liker la vidéo, allez nous rejoindre dans les réseaux sociaux. Et voilà quoi. Donc je vous retrouve à la prochaine. Salut.